Salut les barbus, d'abord un petit mot pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos emails, suite à la vidéo sur la dépression. Ça va mieux, et ma fille qui est revenue, ça c'est bien. Et aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de Slack. Si vous faites partie des gentils barbutipeurs, vous avez reçu un petit mail avec un lien pour l'inscription sur le Slack de la Grande du Barbu. Pour l'instant, c'est réservé aux barbus tipeurs. Peut-être je l'ouvrirai à tous les barbus, avec mais des trucs spéciaux que pour les barbus tipeurs. Pour les barbus tipeurs et ensuite pour les barbus, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est Slack. Pour résumer, Slack, c'est une plateforme de messages d'échange, principalement conçue pour le boulot. Alors moi, je le pousse depuis des mois et des mois à mon boulot, ça commence à prendre un peu et c'est vraiment génial. Et on va regarder ensemble ce que ça fait exactement. Alors le principe est relativement simple, vous pouvez télécharger l'application Slack qui est disponible pour Mac, pour PC et sur votre téléphone, iPhone et Android. Si vous avez reçu le lien d'invitation, vous cliquez dessus et vous enregistrez. Il y a aussi bien sûr une version web. Moi j'ai plusieurs Slack, donc c'est un logiciel que j'utilise tout le temps. Le principe, vous avez des channels. Donc on a général, idée épisode, impression 3D, les insultes, musique et random. C'est des channels qui sont ouverts à tout le monde. Et on a ici tous les gens qui sont sur le Slack. Donc là il n'y a personne qui est connecté. Et on peut aussi avoir des channels privés, mais ça je vais vous montrer après. Le principe, c'est que vous pouvez envoyer des messages. Donc, je vais mettre Hello les barbus, bien ou bien. Je fais une démo de Slack. Voilà. Donc, un des intérêts, c'est que vous pouvez poster des liens, comme par exemple là, le lien de mon super escargot, ou par exemple ici dans le channel Impression 3D, où Jules Dezer a balancé un lien sur, sur des imprimantes 3D, sur des Prusa, ou par exemple ici dans Musique, où vous pouvez mettre des liens sur des trucs à droite à gauche. Vous pouvez aussi balancer des fichiers. Je sais pas ce que je peux balancer comme fichier. Je vais rien balancer comme fichier. Mais un des gros intérêts, c'est que vous avez la recherche. Donc si par exemple je tape Slack dans ma recherche, il va me trouver tous les messages où il y a le mot Slack à l'intérieur. Ou si par exemple je recherche le mot barbu, il trouve pas de message. Si il en trouve 5. Et il peut aussi chercher dans les fichiers. Et surtout, il peut chercher dans les fichiers, genre les fichiers Excel, les PDF, etc. etc. C'est génial ici. Un des gros intérêts, c'est qu'on a des channels publics, mais on a aussi des channels privés. Je vais en créer un. Je vais l'appeler pour les barbus. Voilà. Je vais dire pour discuter. Et là, un des gros intérêts, c'est que je vais pouvoir inviter des gens sur ce channel-là. Et ceux qui ne sont pas invités, ils verront rien. Hop. Voilà. J'ai créé mon channel pour les barbecues. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit cadenas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est à peu près tout dans Slack. Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de Slack bots. Donc des bots qui vont vous permettre de faire des trucs à droite à gauche. Comme par exemple, alors moi j'en ai un ici. Comme ça, c'est celui du boulot. Mais ici, c'est mon truc quasiment perso. Ou par exemple, j'ai le truc Twitter. Où en fait, à chaque fois qu'on fait @babozor, il me met sur Slack. J'en ai par exemple un sur administratif,
où j'ai tous les trucs administratifs. Ensuite, il y a des trucs bullshit. Mais par exemple, je mets des trucs qu'il faut que je regarde. J'ai ma liste de tous les trucs que j'aimerais m'acheter. Des t-shirts débiles, des trucs à droite à gauche. Donc ça me sert aussi de to-do list, par exemple, pour des idées pour la grotte du barbu. Chaque fois que je vois des trucs géniaux qui pourraient être intéressants, je les mets sur Slack. Et ça, c'est mon Slack perso, entre guillemets. J'en ai un aussi pour le boulot. Et avec des gifs ultra cool. Par exemple, c'est là où on partage notre veille. Et pour la grotte du barbu, ben, le but, c'est d'avoir un dialogue un peu plus direct avec tout le monde. Voilà. Voilà une petite présentation sommaire de Slack. En tout cas, c'est un logiciel que j'utilise tout le temps, qui est vraiment génial, et que je vous incite à utiliser. Donc, les barbutipeurs, à bientôt sur Slack, et pour toutes les et pour tous les autres barbus, eh ben, c'est pas, peut-être, allez, en septembre, si vous êtes sage, j'ouvrirai à tous les barbus. Un petit dernier mot, je pars en vacances pendant une semaine, avec ma fille, donc, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, et exceptionnellement, je vais mettre en ligne l'épisode 153, dimanche, déjà dispo pour les barbutipeurs. Voilà, viendez sur Slack, si vous voulez venir faire un tour, envoyez un petit mail, et je vous inviterai. C'est tout, la barbitude est avec vous, et à bientôt.